Satan, le mal absolu, l'adversaire de Dieu, celui qui corrompt les humains pour les éloigner du Seigneur. Dans cette vidéo, on va se plonger dans un long périple pour en apprendre davantage sur ce vilain pavot. J'ai déjà fait une vidéo sur lui dans un format fictionnel, mais ici, on va aller plus en profondeur dans le sujet. J'ai également fait une vidéo sur Lucifer et Samael. Il peut être bon de les avoir vus dans un premier temps, car bien que certains sujets soient les mêmes, d'autres divergent. Sur ce, accrochez-vous, prenez des notes, un cachet pour le mal de tête, car tout ceci va être long et dur. Et je ne parle pas de ma... Comme vous le savez sans doute, le terme Satan nous vient de l'Ancien Testament. Et plus précisément le livre de Job, supposé être rédigé entre le 7e et le 4e siècle avant notre ère. Supposé car nous ne possédons pas les livres originaux, la plus vieille version a été retrouvée à Qumran, au siècle dernier, dans ce que l'on appelle les manuscrits de la Mer Morte, rédigés 150 ans avant notre ère par ce qu'on suppose être des Esséniens, une branche du judaïsme. Si on n'a pas pu confirmer leur identité, ils se rapprochent le plus de ce courant religieux. Satan n'est, à l'origine, pas une entité spécifique dans l'Ancien Testament, comme l'est le Satan que nous connaissons à l'heure actuelle, avec tout le lore qui a été instauré par l'Église chrétienne. Satan se traduit de l'hébreu par l'adversaire, l'opposant. C'est celui qui s'oppose, ou ceux qui s'opposent. Car le terme « les Satans », avec un S minuscule, est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler d'humains qui s'opposent aux patriarches ou aux prophètes. On le retrouve également précédé du terme « a », qui signifie « le », à savoir le Satan, pour parler d'une entité, vraisemblablement un ange, qui s'oppose à Dieu. Mais pas comme un méchant qui veut contrecarrer les plans de Dieu. C'est un opposant qui est là pour confronter les humains, confronter leur foi. Et c'est le cas dans le livre de Job, ainsi que dans le premier livre des Chroniques et dans Zacharie. De la même manière que le montre la Bible juive, il n'est pas considéré comme un être mauvais, c'est même tout le contraire. Dans la vidéo sur Samael, nous avons pu voir que Satan ne désignait pas une entité à part entière, mais un poste, un métier, qui se rapproche de celui d'un avocat ou d'un huissier, place que prend l'archange Samael, qui sert en réalité Dieu. D'ailleurs, des siècles plus tard, il sera considéré comme le chef des Satans, des adversaires. Je vous invite à regarder sa vidéo pour entrer en profondeur dans son histoire, qui n'est qu'une petite partie de tout ce qui tourne autour du mot Satan. Par la suite, dans la Septante, la version grecque de la Bible hébraïque, rédigée au 3e et 2e siècle avant notre ère, Satan se verra transformé en Diabolos, ce qui donnera le terme que nous connaissons tous, diable, qui se traduit par l'accusateur, le calomniateur. Encore une fois, ce n'est pas une entité, c'est un poste, un rôle. Mais quel est ce poste lorsque c'est une entité, à l'image de Samael, qui le prend par exemple? Eh bien, plongeons-nous dans ce fameux livre de Job dont nous parlions tout à l'heure. Job est droit, bon et craint Dieu. Il est parfait. Il est heureux, béni, avec plein d'enfants, des milliers de brebis, chameaux, bœufs, ânes, et avec de nombreux serviteurs pour s'en occuper. Lors d'une assemblée, le Satan dit à Dieu qui se vantait de son humain parfait que s'il se comportait ainsi, c'était parce qu'il avait une vie prospère, mais que s'il lui enlevait tout, alors Job le maudirait. Dieu n'était pas d'accord et voulait croire en son poulain. Alors il mit au défi Satan de lui retirer tout ce qu'il voulait, mais qu'il ne devait pas lui faire de mal. Ainsi, un beau jour, Job perdit tout. La maison où se trouvaient ses enfants s'écroula sur eux. Ses bêtes ont tantôt été volées, tantôt été frappées par la foudre, ainsi que plusieurs de ses serviteurs. Et l'autre partie se sont fait tuer par des bandits. Mais Job ne perdit pas la foi. Il se dit que si des malheurs arrivaient, c'était pour une bonne raison. Au paradis, le Satan était sceptique, et il dit à Dieu « Ok, ok, tu lui as tout pris et il t'aime quand même, mais si tu lui fais mal physiquement, alors il te maudira. » Alors Dieu prit le pari et autorisa le Satan à lui faire mal. Celui-ci lui provoqua un ulcère foudroyant qui le fit se tordre de douleur. Job maudit le jour de sa naissance. Il aurait préféré ne pas vivre si c'était pour tant souffrir. Des amis finirent par le rejoindre et tentèrent de le consoler en voyant ses malheurs. Ces hommes étaient considérés comme des savants sur la question de Dieu, sur sa justice. Et pour eux, si des malheurs arrivaient, c'était que Job le méritait. Car Dieu ne fait pas de mal aux humains sauf s'il le mérite. Ils se mirent à énumérer tout un tas de choses que Job aurait pu faire pour contrarier Dieu. Mais il n'en avait fait aucune. Job se mit alors en colère contre Dieu.
Il le maudit, le traita d'incapable, d'injuste, de corrompu. Il voulait que Dieu vienne s'expliquer en personne. Et bah c'est ce qu'il fit. Il apparut dans de gros nuages noirs et montra à Job l'immensité de l'univers, sa complexité, que le moindre détail influence quelque chose, et que le malheur existe, car ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Certes, oui, c'est un travail minutieux. C'est complexe pour la simple pensée humaine de comprendre le fonctionnement de l'univers, de sa justice. Sauf que là, il n'est pas question de justice, c'est juste un concours de bits pour prouver à Satan que Dieu a raison. Il a fait mourir des gens, des bêtes, fait souffrir atrocement son protégé, juste pour prouver qu'il ne le renierait pas. On ne peut pas dire que ce soit très juste pour le coup. Heureusement qu'après, il lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Bon, il n'a pas fait ressusciter sa famille, mais il lui en a apporté une nouvelle, de nouveaux serviteurs, de nouvelles bêtes, et leur nombre multiplié par deux comparé à avant. Mais est-ce que ça valait le coup? Ce passage nous montre que finalement, ce n'est pas le Satan qui est responsable des malheurs de Job, c'est Dieu. C'est lui qui lui a demandé de l'affliger de tous ses malheurs, dans le seul but de vérifier sa dévotion. Passons à présent à la deuxième apparition de Satan, dans le premier livre des Chroniques. Le texte commence par « Satan s'éleva contre Israël ». Première fois où le terme Satan est utilisé sans son préfixe. Il ne désigne en revanche toujours pas une entité diabolique, mais un tentateur de la foi. Satan donc demanda au roi David de faire compter le nombre de sujets qui se trouvaient sur ses terres. David fit envoyer un de ses hommes pour les compter, ce qu'il fit à contre-cœur, car c'était vraiment gonfler son ego que d'aller découvrir combien on possédait de sujets, que c'était mal de faire ça plutôt que de remercier Dieu de l'avoir fait gagner toutes ses batailles. Mais David se dit qu'avec assez de monde et de ressources, il pourrait se passer de l'aide de Dieu. Son homme alla quand même compter le peuple, mais pas tous. 1 million d'hommes aptes au combat en Israël et un peu moins de 500 000 pour Juda. Pas mal! Surtout qu'à cette époque, on n'était pas 8 milliards. Sauf que bah, ça n'a pas plu à Dieu qui frappa Israël. Il fit 3 propositions de fléau à David en passant par son devin. 3 ans de famine, 3 mois où Israël serait attaqué de toutes parts par ses ennemis et où il serait blessé, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seraient dans le pays, et avec l'ange de l'Éternel qui apporterait sa destruction sur tout le territoire. Préférant subir les fléaux de la main de Dieu et non de celle des hommes, il choisit la 3e option. Alors Dieu propagea la peste, tuant 70 000 Israéliens. Il envoya ensuite l'un de ses anges semer la destruction, puis, voyant tous ses malheurs, il fut pris de remords et arrêta ce massacre. Il demanda alors à David de faire construire un temple à son honneur pour se faire pardonner. Une fois de plus, ce passage nous montre que Satan n'a rien fait de trop grave. Il a fait une proposition à un humain, qui a seulement fait compter les gens de son peuple, ce qui n'a pas plu à Dieu qui décida de punir David en faisant mourir une partie de ses sujets, qui étaient pourtant fidèles à Dieu et qui n'avaient rien demandé. On retrouve un passage similaire dans le 2e livre de Samuel, où le chapitre commence pas par Satan qui s'oppose, mais par « La colère de Yahvé s'enflamma encore contre les Israélites ». Cette colère est donc assimilée à Satan, qui est au service de Dieu. On retrouve une 3e apparition de Satan dans le livre de Zacharie, sauf qu'il n'apparaît pas dans la réalité, mais dans un rêve. Après que les Hébreux se soient enfuis vers Jérusalem, Zacharie et Agée entreprennent la reconstruction du temple de Dieu. Lors d'un rêve, Dieu fit voir 8 visions à Zacharie, dont l'une du prophète Josué, qui se trouve en face de l'ange de l'Éternel, avec Satan à sa droite, et celui-ci dit que c'est une honte qu'il se présente devant Dieu dans ses habits sales, qui sont le symbole des péchés d'Israël. L'ange de l'Éternel fit taire Satan et fit retirer à Josué ses vêtements sales pour les remplacer par des neufs. Et voilà. Cette 3e apparition de Satan, qui s'offusque juste de la tenue d'un homme face à Dieu, n'est pas digne du grand vilain que la figure du diable prendra par la suite. Avant de passer au Nouveau Testament, parlons d'un texte apocryphe qui aura une grande importance dans ce que le christianisme fera de la légende de Satan. Le livre d'Enoch, l'un des ouvrages trouvés à Qumran et qui est canon pour l'église orthodoxe éthiopienne. J'ai déjà parlé plusieurs fois de cet ouvrage, notamment dans la vidéo sur les veilleurs et les néphilim, mais je vais faire un petit rappel. Dans cet ouvrage, écrit entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, il est question de la chute des anges, appelés veilleurs ou observateurs, chargés d'observer les humains, avec à leur tête l'ange Samyaza. Manque de bol, ils trouvèrent que les femmes humaines étaient si belles qu'ils en tombèrent amoureux. Comment leur en vouloir? Les femmes sont les plus belles créatures de la Terre.
Ils décidèrent de les séduire, coucher avec, donnant naissance à des enfants, les Néphilim, des êtres mi-anges, mi-humains, plus grands, plus forts que la moyenne, extrêmement voraces et malheureusement très violents. Ils tuèrent de nombreuses personnes une fois à l'âge adulte et dévoraient tout le bétail qu'ils pouvaient trouver, n'étant jamais rassasiés. De plus, les anges ont enseigné aux humains des sciences qu'ils n'étaient pas censés connaître, comme la métallurgie des armes et des armures et la fabrication de bijoux et de maquillage. Dieu n'était pas du tout ravi de cela, et il envoya ses quatre archanges, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour massacrer les femmes et les enfants et enchaîner les anges qui ont fauté. Puis, il déclencha un violent déluge afin de faire table rase, puis recommencer sur des bases saines avec la famille de Noé. Dans cet ouvrage, il est fait plusieurs fois mention du mot Satan. D'abord au pluriel, au chapitre 40, « Et j'entends la quatrième voix chasser les Satans, et elle ne leur permettait pas d'arriver auprès du Seigneur des Esprits pour accuser ceux qui habitaient sur la ride. » Ici, Satan peut à la fois désigner les veilleurs, mais aussi les Néphilim. Puis, au chapitre 65, « Puis un ordre sortit de devant la face du Seigneur au sujet de ceux qui habitent la ride, afin que s'accomplisse leur ruine, car ils ont connu tous les secrets des anges et toute la violence des Satans. » Ici, le terme Satan est utilisé spécifiquement pour parler des Néphilim. Puis, Satan est utilisé pour parler d'une entité en particulier. Au chapitre 53, « Car je vis tous les anges du châtiment s'établir et préparer tous les instruments de Satan, à savoir des instruments destinés aux rois et aux puissants de la terre. » Et au chapitre 54, « Les quatre archanges saisissent les veilleurs et les jettent enchaînés dans la fournaise ardente, afin que le Seigneur des Esprits les châtie de leur iniquité. » Car ils se sont faits les serviteurs de Satan, et ils ont entraîné au péché ceux qui habitent sur la ride. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que Satan désigne Samyaza, qui était le chef des veilleurs, ou une autre entité qui s'appelle Satan? Le troisième livre d'Enoch, écrit au 4e et 5e siècle, nous parle d'un Satan comme étant une entité spécifique. Au chapitre 26, il est dit que Satan siège en compagnie de Samael, le chef des accusateurs. Accusateur qui est aussi la traduction du nom de Satan, ce qui est un peu bizarre. De plus, ça voudrait dire que Samael, qui plus tard est désigné comme étant Satan avant sa chute, et Satan sont différents. Ça voudrait dire aussi que Satan n'est pas le chef des Satans, mais que c'est Samael, puisqu'il est le chef des Satans, des accusateurs, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises. Cet ouvrage pose plus de questions qu'il n'en élucide. Passons au Nouveau Testament dans ce cas, où Satan est mentionné bien plus que nulle part ailleurs. Commençons par l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, qui est d'ailleurs le même que l'évangile de Luc. Ce passage est bien connu, puisque c'est le moment où Jésus est tenté dans le désert par Satan, dit aussi le diable. Jésus est transporté dans le désert par l'Esprit, jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. À ce moment, le tentateur, comme il l'appelle, s'approcha de lui pour le convaincre de transformer des pierres en pain, et ainsi, il pourrait manger. Ce à quoi Jésus répliqua, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je ne savais pas que des mots pouvaient remplir l'estomac, mais visiblement, ça a convaincu le diable. Ensuite, celui-ci les transportèrent au sommet du temple de Dieu, à Jérusalem, et lui dit de sauter en bas, car d'après les écrits, des anges viendraient le porter pour que son pied ne heurte pas une pierre. Ce à quoi Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Tu parles d'une provocation. Satan cherche visiblement à ce que soit prouvé ce qui est écrit dans les textes, rien de plus. Ensuite, le diable les transporta une troisième fois, sur le sommet d'une montagne, là où il voyait tous les royaumes de la terre, et lui fit une offre. S'il s'agenouille et l'adore, alors le diable lui donnera tous ses royaumes. Ce à quoi Jésus répondit, « Retire-toi, Satan ! En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. » Et c'est lui seul que tu serviras. » Sur ces mots, le diable le laissa. Ce passage nous montre trois tentations. Le besoin matériel, avec la transformation des pierres en pain pour se nourrir, satisfaisant un besoin immédiat, la reconnaissance publique, où on le tenta de prouver les écrits aux gens, et enfin la puissance qui serait donnée s'il s'agenouillait. Ici, ce Satan est là pour mettre à l'épreuve Jésus, pour qu'il prouve sa fidélité. Mais sans animosité ou violence, il est là comme adversaire pour éprouver sa foi. C'est pas pour rien qu'il est envoyé là-bas, c'est justement pour y être tenté. D'ailleurs, un diable dans le désert, ça ne vous rappelle rien? Le démon Azazel, à qui les Juifs envoient un bouc en sacrifice dans le désert, afin que leurs péchés soient pardonnés.
Se pourrait-il que ce diable soit lui, justement ? Passons au chapitre 12, lorsque Jésus, bon comme toujours, décide de soigner un homme possédé qui est sourd et aveugle. Et cette action n'a pas plu aux pharisiens, une autre branche du judaïsme différente des esséniens que nous avons vus tout à l'heure. Ça ne leur a pas plu, car c'était le jour de Shabbat, un jour où les juifs ne sont pas censés travailler, faire d'efforts, sauver une brebis qui se noie, ou un malade. Cela étant contre la religion, ils accusèrent Jésus d'utiliser les pouvoirs de Belzéboul, prince des démons. À cela, Jésus répliqua « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? » Et oui, il vient de soigner un possédé, possédé par un diable. Donc ce serait un coup contre son camp qu'un diable chasse un autre diable. Et finalement, Satan n'est pas directement en cause, tout comme dans le chapitre suivant, le chapitre 13. Dans celui-ci, Jésus explique la parabole de la mauvaise herbe dans les champs à ses fidèles. Jésus conseille de laisser pousser le blé et l'ivraie jusqu'à la moisson, sous-entendant qu'il fallait laisser les croyants et les non-croyants coexister. Car au jour de la moisson, les anges rassembleront les enfants du malin, l'ivraie, et les sépareraient des enfants du royaume, le blé. Les justes seront rassemblés dans le royaume de Dieu, tandis que les méchants subiront le jugement. Le diable étant cité pour parler des incroyants. Au chapitre 16, alors que Jésus est condamné, il explique à ses disciples qu'il doit souffrir et être tué, mais qu'il ressuscitera 3 jours plus tard. Forcément, ses fidèles n'étant pas joisses, ils essayèrent de l'arrêter au nom du Seigneur. Ce à quoi Jésus répondit « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais de celles des hommes. » Ici, Satan est en réalité Pierre, qui réfléchit en tant qu'humain et qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Il s'oppose donc à Jésus comme adversaire. Encore une fois, au chapitre 25, on parle du diable sans qu'il ne soit directement question de lui. Jésus cherche à éloigner tous ceux qui ne l'ont pas aidé. Il les maudit, leur commandant d'aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. On peut en conclure que dans cet épître, Satan n'est réellement présent qu'une seule fois, et seulement pour jouer les tentateurs de Jésus, rôle que le nom de Satan définit. Passons maintenant à l'évangile de Marc, qui est très similaire à celui de Matthieu en ce qui concerne Satan. Le chapitre 1 aborde la tentation de Jésus dans le désert, mais alors que c'est par le diable pour Matthieu, Marc dit que c'est par Satan. De plus, celui-ci est accompagné par les bêtes sauvages et les anges qui le servaient. Ange béni ou ange déchu, telle est la question. Le chapitre 4 aborde la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Et Jésus dit que Satan vient arracher ce qui a été semé envers les humains, les déviants de leur route. Le chapitre 3 avec le possédé et le chapitre 8 avec les pensées d'homme de l'apôtre Pierre sont les mêmes que dans la version de Matthieu. Autour de l'évangile de Luc maintenant. Le chapitre 4, la tentation dans le désert, le chapitre 8 sur la parabole et le chapitre 11 avec les pharisiens sont les mêmes que précédemment. Mais dans ce dernier chapitre, le passage avec le diable est tourné différemment, à savoir « Si Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul ?» On trouve en revanche d'autres passages qui font référence au diable ou à Satan dans cet évangile. Au chapitre 10, Jésus dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce passage fait-il référence à la chute des anges que l'on retrouve dans le livre d'Enoch? Ou alors, et ce serait idiot venant de lui, ferait-il référence au passage de l'Ancien Testament où l'astre du matin tombe du ciel que l'Église a assimilé comme étant Lucifer? Je dis que ce serait idiot, car comme on l'a vu dans la vidéo sur Lucifer, on a démontré que ce n'est pas un ange qui chute à cet endroit. Mais c'est la déesse Ishtar Inanna, déesse vénérée à l'époque à Babylone lorsque la ville a été renversée avec la rébellion des Hébreux. À savoir, cette divinité est liée à Vénus, que l'on appelle également Astre du Matin. Le passage peut également faire référence au roi de la ville de Babylone qui a chuté, mais en aucun cas à un ange, et ça, Jésus est censé le savoir. Le chapitre 13 fait référence à une femme soi-disant possédée par un esprit. Celui-ci la rendrait infirme depuis 18 ans. Jésus, qui se trouvait dans une synagogue, la soigna, et ça ne plut pas au chef de la synagogue. Car encore une fois, il soigna le jour de Shabbat. Ce à quoi Jésus répliqua « Cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour de Shabbat ?» Encore une fois, Satan serait responsable, mais c'est en réalité qu'une maladie qui a été soignée. Le chapitre 22 est un autre passage très connu, celui de la trahison de Judas qui vendit Jésus au chef des prêtres et chef de la garde contre une poignée d'or.
il est dit que c'est Satan qui entra dans la bouche de Judas pour qu'il trahisse Jésus. Ainsi, Jésus, appelant Pierre par son nom de naissance, à savoir Simon, l'informe que Satan va leur faire subir une épreuve. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Peut-on vraiment accuser une entité d'être rentrée dans la bouche d'un homme pour trahir, et pas plutôt la cupidité, caractéristique aux humains ? Dans l'évangile de Jean, cet autre passage avec la trahison de Judas est le seul moment où on parle de Satan, au chapitre 13. Lors de la scène, le dernier repas de Jésus, alors que Judas avait déjà fomenté son complot, il était attablé avec Jésus qui lui donna un morceau de pain. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement ». Ce texte indique que Satan entre dans la bouche de Judas une fois qu'il a reçu ce morceau de pain. Cela souligne symboliquement que Judas a succombé aux tentations de Satan. Ce n'est pas le pain en lui-même qui contient Satan. C'est une représentation du choix de Judas de trahir Jésus sous l'influence de Satan. Ou, comme je l'ai dit plus tôt, de la cupidité humaine. Maintenant que les évangiles sont faits, passons aux épîtres. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous réveiller, parce qu'on va parler de sexe. Et même visiblement, d'inceste. Trop bien. Dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, il est question d'un homme qui a pris la femme de son père, c'est-à-dire qu'il a couché avec. Donc un bon stepmom des familles avec la belle-mère, ou alors pire, avec sa propre mère. Du coup, Paul, qui s'occupe de cette histoire, présent à la base pour convertir les Corinthiens, dit d'abandonner cet homme à Satan. Il veut dire par là qu'il faut laisser cet homme hors de leur spiritualité nouvelle, hors de la protection spirituelle de la communauté chrétienne. Le chapitre 7 parle également de sexe entre mariés, bien évidemment. Globalement, il dit qu'ils doivent copuler juste entre eux et régulièrement, car si ce n'était pas le cas, alors Satan pourrait venir les tenter. Alors les mariés, on baise, hein, faut y aller. L'épître aux Éphésiens, chapitre 4, dit de ne pas pécher par colère afin qu'il n'y ait pas de place pour le diable. Dans le premier épître aux Thessaloniciens, Paul explique qu'il aimerait bien revenir chez eux, mais que Satan l'en a empêché par deux fois. L'opposition de Satan ne doit pas être toujours prise de manière littérale. Elle peut également être perçue comme une force spirituelle travaillant à s'opposer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans ce contexte, Paul souligne les défis et oppositions auxquels il a été confronté dans l'exercice de son ministère. Dans le second épître aux Thessaloniciens, il est question de l'avènement de Jésus. À ne pas confondre avec une figure antichristique qui essayera de convertir l'humanité avec des mensonges et des faux miracles, utilisant les pouvoirs de Satan. Le premier épître de Timothée, évidemment pas l'acteur mais un jeune responsable de l'église d'Éphèse, parle, au premier chapitre, d'une lettre envoyée par Paul à ce jeune homme. Dans celle-ci, il l'encourage à mener un bon combat au service de la foi. Sinon, il finira comme des personnes dont on ne connaît que le nom, comme Hyménée ou Alexandre, qui ont blasphémé et qui les a alors livrés à Satan. Vraisemblablement, qui les a laissés hors de la protection spirituelle. Le chapitre 3 aborde les qualifications et responsabilités des responsables d'église, en particulier des évêques et des diacres. L'une des prérogatives est qu'il ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Traduction, il risque de faire de la merde. Dans le chapitre 5, il est question des veuves qui voudraient se remarier. Ce qui ne serait pas bien. Une trahison envers leur engagement initial. Et de ce fait, elles suivraient la voie de Satan, ce qui est mal. Du coup, mesdames, crevez seules, la bouche ouverte. Dans le second épître à Timothée, Paul lui dit qu'il ne doit pas être dans le conflit avec les gens, mais être plein de bienveillance envers eux. Logique. Ainsi, ils ne seront plus sous l'emprise du diable. Tout comme la cupidité de Judas qui était assimilée à Satan, la colère l'est tout autant. Le chapitre 2 de l'épître aux Hébreux parle de la supériorité de Jésus face aux anges, grâce à la mort, mais aussi face au diable, celui qui a le pouvoir sur la mort. Car maintenant qu'il l'était, il ne pouvait plus rien contre lui. Allez, c'est bientôt fini. Épître de Jacques, chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Traduction, boue le diable, vive Dieu! Épître de Jude, conversation entre l'archange Michael et Satan pour savoir qui des deux pourrait récupérer le corps de Moïse. Passage relaté non dans la Bible, mais dans un texte apocryphe.
Michael ne préfère pas prononcer de jugement injurieux envers lui, mais laisse plutôt cela entre les mains de Dieu en disant « Que le Seigneur te réprime !» Terminé pour les épîtres, maintenant l'Acte des Apôtres, chapitre 13. On y trouve un faux prophète, Bar-Jésus, un magicien juif, que Paul traite de charlatan, de fils du diable. Bon, faisons une pause. On va respirer un peu car ça fait beaucoup. Détendez-vous, fermez les yeux, inspiration, expiration. Bien. On a parlé quantité de fois de Satan et du diable dans ces passages. Mais la plupart du temps, ce n'était pas directement le diable. C'était le mal, l'opposition de la chrétienté, ou encore les péchés. Le diable n'y est finalement qu'un chemin à ne pas suivre, et pas une entité. Enfin bref, il est temps de parler de la dernière partie du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean. Il se passe un certain nombre de choses dans cet ouvrage, à commencer par le chapitre 2, où Jésus envoie des lettres à 7 églises différentes, contenant des messages pour les fidèles. Dans plusieurs d'entre elles, il fait référence à Satan. Dans la lettre pour l'église de Smyrne, il dit de faire attention à ceux qui se font passer pour des juifs, mais qui ne le sont pas. Il les qualifie de synagogue de Satan. Pour l'église de Pergame, Jésus mentionne le fait qu'elle se trouve où se situe le trône de Satan. On retrouve plusieurs interprétations de ce passage. L'une d'elles est que la ville, étant sous un culte impérial des provinces d'Asie, à qui on a demandé de faire le choix entre Jésus et l'empereur. Vu que c'est contre Jésus, on qualifie l'endroit de trône de Satan. Pour l'église de Thyatire, Jésus explique que l'une de leurs doctrines est erronée, voire hérétique, influencée par le gnosticisme, considérée comme faisant partie des profondeurs de Satan. Enfin, pour la dernière église, celle de Philadelphie, qui se trouve au chapitre 3, il est également fait mention de la synagogue de Satan, comme pour l'église de Smyrne. Tous ces passages ne parlent donc pas directement de Satan, mais de choses qui sont contre la foi chrétienne, soit le poste d'adversaire dont se traduit Satan. C'est ensuite que nous avons l'apparition d'un Satan, au chapitre 12, sous une forme matérielle, celle d'un dragon. Un immense dragon rouge-feu, possédant 7 têtes, 10 cornes, chaque tête étant couronnée d'un diadème. Et il fit tomber un tiers des étoiles, à savoir des anges. Il était précédé d'une femme portant une couronne de 12 étoiles, vêtue du soleil, la lune à ses pieds, interprétation d'Israël ou de l'Église. Mais surtout, cette femme était enceinte. Elle hurlait de douleur, elle était prête à enfanter. C'est ce qu'attendait le dragon, qui allait manger le nouveau-né, interprété comme étant Jésus. Sauf que celui-ci fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. S'engagea alors un combat entre le grand dragon, l'antique serpent, le séducteur du monde entier, celui que l'on nomme Diable et Satan, accompagné de ses anges, face à Michael, accompagné des siens. Et ce fut ce dernier qui eut le dessus, précipitant Satan et ses anges sur la terre. Pour se venger, il essaya d'attaquer la femme, mais ses ailes furent arrachées et données à la femme pour qu'elle puisse s'enfuir dans le désert. Il vomit alors des flammes dans sa direction, mais la terre la protégea, ouvrant un gouffre pour engloutir ses flammes. Ne pouvant attaquer cette femme, il annonça qu'il s'en prendrait à ses descendants. L'interprétation de ce passage serait donc la fameuse chute de Satan et de ses anges. Finalement, à l'aube de l'humanité, parce que si on y réfléchit bien, si le dragon se fait arracher ses ailes, à quoi ressemble-t-il? À un serpent. Surtout que dans la Genèse, le fameux serpent qui tenta Adam et Ève, il s'est fait retirer ses bras et ses jambes après cette trahison. Revenons sur la question que nous nous posions au début, sur l'identité de Satan, avec un surnom qui lui a été donné, le séducteur du monde. Ne pourrait-on pas imaginer que l'ange fautif soit Samyaza, qui, avec d'autres anges, ont séduit les femmes de la terre? Non du coup, car cet événement s'est déroulé juste avant le déluge avec Noé, et donc il y avait déjà des humains. Ça voudrait dire qu'il y a eu deux chutes d'anges? Étrange. Pas si parfait et obéissant que ça au final. Mais laissons ça de côté, et continuons d'observer les passages où l'on retrouve Satan. Au chapitre 13, une bête sortie des eaux, une créature à 7 têtes et 10 cornes, tout comme le dragon, mais dont la gueule était celle d'un lion, le corps d'un léopard, et les pattes, celles d'un ours. C'était la bête de l'Apocalypse, l'Antéchrist, accompagné de son faux prophète, qui fera en sorte que la terre l'adore et le craigne. Le dragon lui procura tout un tas de pouvoirs, notamment celui de la guérison. En effet, l'une de ses têtes étant blessée, il utilisa ses pouvoirs pour se soigner. Aucune indication sur comment il a été blessé en revanche.
Je vais abréger un peu, mais si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'Antéchrist. Le peuple de la Terre fut converti à son culte. Alors des anges répandirent la colère de Dieu au travers de coupes. Cette coupe qui entraînèrent des catastrophes, tuant les humains portant la marque de la bête. Ulcères, mer transformée en sang ou asséchée, humains brûlés, ténèbres se répandant sur la terre depuis le trône de la bête. Alors, de la bouche de celle-ci, du faux prophète et du dragon, sortit trois esprits impurs tels des grenouilles. Ils partirent à la recherche des rois de la terre afin qu'ils se regroupent pour le combat final. Face à eux descendirent le Messie, la parole de Dieu, accompagnée de l'armée céleste. Qui va gagner la bataille? Eh ben le bien, évidemment. C'est toujours les gentils qui gagnent. Arrive alors le dernier chapitre parlant de Satan, le 20e. Après sa défaite, un ange descendit du ciel avec des chaînes et la clé de l'abîme. Là où Abaddon et ses sauterelles scorpions ont été libérés lors des trompettes de l'Apocalypse, que je n'ai pas abordé car la vidéo est déjà bien trop longue. L'ange s'empara du dragon, l'enchaîna, et le précipita dans l'abîme pour y être enfermé pendant 1000 ans. Et oui, pas pour toujours, car après il sera à nouveau libre, afin qu'il retourne séduire les nations aux quatre coins du monde. Une dernière action, avant que des flammes ne descendent du ciel afin de le dévorer, le faisant tomber dans l'étang de feu, là où ont été enfermés la bête et le faux prophète 1000 ans auparavant. Ainsi, une fois la bête enfermée, la mort et l'Hadès, aka l'enfer, libérèrent les morts pour qu'ils soient jugés, et furent tous deux précipités dans l'étang de feu. Ils seront ensuite rejoints par toutes les âmes qui n'ont pas été jugées aptes à rejoindre le royaume de Dieu. C'est ainsi que se passe la fin du diable. Que peut-on conclure sur les apparitions de Satan dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament? Déjà, dans la plupart des cas, il n'est pas réellement question de Satan ou d'une entité en particulier. Satan va être utilisé pour désigner tout ce qui ne va pas dans le sens de Dieu, pour les Juifs dans l'Ancien Testament et pour les chrétiens pour le Nouveau. Au final, tout ce qui est païen, c'est le diable, alors que c'est juste quelque chose qui ne va pas dans leur dogme. Si tu fais le mal, eh bien c'est à cause de Satan. Point. Sauf que bon, de nos jours, des actions comme se remarier par exemple sont monnaies courantes, et n'ont rien à voir avec le diable. Finalement, ce n'est pas directement Satan qui viendra susurrer des mots à ton oreille, comme le petit diable que l'on a sur l'épaule gauche, c'est l'action de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu, qui est considérée comme inspirée par le diable. Dans tout ça, on aurait donc 6 passages avec l'action directe de Satan. Job, David, Zacharie, et encore, c'est juste un rêve, le désert, Satan tombé du ciel comme un éclair, Satan en dragon de l'Apocalypse. Pour le livre de Job, c'est Dieu qui demande à Satan d'éprouver Job, c'est son rôle. Pour le livre de David, Satan teste sa foi, pour vérifier qu'il n'ait pas l'orgueil, avec tous les gens qu'il dirige, de renier Dieu, ce qui a entraîné la mort de milliers de personnes. Bon, pour Zacharie, c'est juste un rêve, et il disait juste que le mec était trop sale pour se présenter ainsi devant Dieu. Satan qui tombe du ciel tel un éclair, c'est sûrement une référence à la bataille où il chute dans l'Apocalypse. Et pour finir, Satan sous la forme du dragon rouge, toujours dans l'Apocalypse. Et comme on l'imagine bien, il n'est pas directement descendu du ciel avec avant lui une nana enceinte à qui il voulait bouffer son bébé. Tout ça, c'était que des métaphores. La femme enceinte représente Israël ou l'église chrétienne, l'enfant Jésus, et le dragon c'est le mal, tout ce qui n'est pas selon la loi de Dieu. Et c'est la même chose pour le reste de l'Apocalypse. Résultat, on aurait donc bien un Satan qui ait un poste, un rôle, présent pour vérifier que l'humain suit bien la voix de Dieu. Et rien n'indique que ce soit une seule et même entité. Il y a sûrement plusieurs anges qui ont joué le rôle d'opposant. Et puis même s'il s'agit d'une seule et même entité, comme nous pouvons le voir, il reste fidèle à Dieu. Mais vous allez me dire qu'il a quand même fait quelque chose d'impardonnable dans un passage de l'Ancien Testament que je n'ai pas encore parlé. En même temps, son nom n'y apparaît pas. Et oui, dans la Genèse. Le serpent qui tente Adam et Ève et qu'on ne nomme pas, c'est Satan normalement. Et ce qu'il a fait est pas bien, et contre la volonté de Dieu. Et pourtant, si Dieu est, comme on le dit, omniscient, omniprésent, omnipotent, l'action du serpent aurait dû être déjouée à la base, il aurait pu être exterminé de la surface de la terre. Mais non, car sa présence était nécessaire. Quand l'humain a été créé, il lui manquait quelque chose, la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, il ne pouvait pas faire grand-chose, à part s'occuper du jardin et louer Dieu. Il ne pouvait pas faire grand-chose qui ne soit pas en accord avec Dieu, puisqu'il n'y avait que ses créations directes. Mais cette absence de connaissance entre ce qui est bien et ce qui est mal fait qu'il leur manquait quelque chose de plus important, le libre arbitre.
car l'adoration de son créateur n'est rien si l'adorateur ne connaît que ça, et n'a pas la possibilité de choisir lui-même comment penser. Il fallait donc trouver un moyen, et c'est le serpent qui va l'apporter. Dieu a interdit une seule et unique chose, manger du fruit de l'arbre de la connaissance. C'est le seul truc interdit. Il aurait pu dégager l'arbre, mettre une clôture, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi, à votre avis? Pour que l'humain se trompe, pour qu'il fasse une erreur, pour qu'il prenne lui-même une décision qui va à l'encontre de ce que Dieu a décidé, poussé par le serpent. D'ailleurs, il est possible que le fruit en lui-même soit tout à fait normal et n'apporte rien. C'est en réalité la décision de désobéir à Dieu qui a fait naître le libre arbitre. Et comme c'était contre les ordres, ils ont pu expérimenter ce qui était mal. On accuse le serpent d'avoir tenté, d'être responsable. Mais le seul responsable, c'est l'humain. C'est lui qui a pris la décision, et à ça qu'on reconnaît un humain, à son libre arbitre et au fait qu'il puisse faire des erreurs. Ainsi, connaissant le bien et le mal, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire, il pourrait choisir en tout état de cause d'aimer Dieu de leur propre volonté. Voici donc ce qui conclut les actions de Satan en tant que tel, car Satan est un rôle. Mais si c'est un rôle qui est derrière cela, est-ce que c'est un ange spécifique qui a été désigné à ce poste? À cela, nous avons plusieurs options. Pour commencer et pour vite le dégager, nous avons le personnage de Lucifer. Mais comme on l'a vu, cette entité n'existe pas. Son nom latin Lucifer nous vient d'une entité grecque, Eosphoros, symbolisant l'étoile du matin, c'est-à-dire la planète Vénus, et qui finalement, dans le passage d'Isaïe, parle d'une autre entité, Inanna slash Ishtar, divinité vénérée à Babylone. De plus, dans la Vulgate, la traduction latine de la Septante, la Bible grecque, Lucifer est également utilisé pour parler de Jésus. Du coup, si Jésus porterait le même nom que Lucifer, qui est désigné comme étant le diable, ça la foutrait mal. Pour ça d'ailleurs qu'ils ont dégagé le terme Lucifer au final. Ensuite, nous avons Samyaza, le chef des anges qui a chuté dans le livre d'Enoch. Mais c'est parce que lui et ses anges avaient copulé avec des femmes humaines. Ils sont donc arrivés bien plus tard, après la chute d'Adam et Ève. Donc à moins qu'il n'ait chuté deux fois, ça ne peut pas être lui. Vient ensuite Bélial, considéré comme un démon, mais qui était un ange à la base. De plus, dans les textes de Qumran hors Ancien Testament, à part une ou deux fois dans les morceaux qui ont été restaurés, il n'est pas question de Satan, mais de Bélial, l'ange des ténèbres, le chef des fils de la perdition. Et comme c'est les plus anciens écrits qu'on a retrouvés, on peut se demander si ce n'était pas son nom à l'origine. On le retrouve également dans l'Ancien Testament pour parler des fils de Bélial, qui ont le même rôle que les fils de Satan. Ce sont des méchants, c'est le mal, à l'opposition de Dieu, des justes, du bien. Nous avons ensuite Mastema, présent dans le livre des Jubilés, et dont le nom signifie hostilité, haine. Il n'a pas l'air sympa, lui. Mastema est associé à des fonctions liées à la tentation et au test des justes. Il est présenté comme un ange qui sollicite Dieu pour tester les fidèles et les amener à pécher. C'est donc une identité potentielle pour notre ange. Vient enfin Samael, l'ange de la mort, qui se trouve à la gauche de Dieu, tandis que Michael se trouve à sa droite. Son rôle est également de tenter les humains, sous les ordres de Dieu, pour qu'une fois qu'il passe l'arme à gauche, il puisse accéder à une nouvelle vie, au paradis. Il est également le chef des accusateurs, des Satans, d'autres anges chargés de tenter les humains. Mis à part Mastema, j'ai fait une vidéo sur chacun d'entre eux, que je vous invite à aller voir pour approfondir le sujet et vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes aussi tard que moi. J'ai jamais écrit une vidéo aussi longue et je suis loin d'avoir fini. Dire qu'elle était censée sortir pour Noël, cette vidéo. Maintenant que nous avons vu qui était le personnage de Satan, je trouve intéressant de parler de son apparence, qui va beaucoup changer au fil des siècles. Mis à part les références aux serpents et aux dragons, le diable n'avait pas de forme définie au début. Il a donc pris tout un tas d'apparences différentes. Très souvent, c'était des apparences animales. Chien, chat, âne, tout comme les démons d'ailleurs. Avec le peu d'imagination qu'il devait avoir à l'époque, les animaux et les mélanges d'animaux étaient ce qu'il y avait de plus probable concernant la forme des démons. Mais les animaux ne sont pas les seules formes que le diable aurait revêtues. On a parfois le cas de plantes, comme des souches d'arbres, mais aussi d'hommes à la peau noire, avec des cornes, des oreilles d'âne et un gros engin.
100% les personnes qui ont fait ces témoignages à l'époque ont croisé des personnes d'origine africaine, et c'était tellement peu répandu en Europe à cette époque, au premier millénaire, qu'ils ont pris peur, croyant le diable arriver, et bien évidemment, en exagérant avec les cornes et les oreilles d'âne. S'ils savaient que les premiers humains avaient la peau sombre, surtout pour Adam et Ève, ils crieraient au blasphème. Vient ensuite, vers le 5e et 6e siècle, avec tout le lore qui se crée grâce à la Vulgate autour d'un ange déchu, Lucifer, décrit comme le plus beau et fidèle des anges, mais qui se révolta contre Dieu, se prenant pour lui apparemment. Il prit alors une forme angélique, mais tout le monde n'était pas d'accord sur l'ordre auquel il appartenait. Archanges, séraphins, chérubins, ils ont tous des propriétés différentes, surtout en ce qui concerne leur nombre d'ailes. Mais bon, un ange, même déchu, ça fait pas très diabolique. Alors on a commencé à lui donner d'autres attributs, comme une fourche, qui rappelle la fourche d'Hadès, dieu des enfers grecs, même si la sienne n'a que deux pointes. La fourche du diable ressemble plus au trident de Poséidon d'ailleurs. Mais bon, comme on le sait, toute divinité qui n'est pas dieu, eh bien c'est le diable pour l'église. Puis on commence à transformer ses ailes d'ange en ailes de chauve-souris. On lui ajoute des visages, parfois au ventre, et même aux fesses. Pratique pour s'asseoir. Mais à partir du 13e siècle, ça commence à être la merde pour l'église chrétienne. Tout le monde n'est plus forcément d'accord avec leurs croyances, et c'est ainsi que va naître la branche protestante. Mais l'église ne veut pas perdre ses fidèles, alors comment va-t-elle chercher à les garder? Eh bien en durcissant les mœurs, et en leur faisant peur, bien évidemment. Ça ne va pas tout de suite jouer sur son apparence, mais d'abord sur ses pouvoirs. Par exemple, s'envoyer en l'air hors mariage, c'est une tentation du diable. Tout ce qui n'est pas en accord avec l'église, c'est le diable. Et si vous vous écartez de quelques centimètres du droit chemin, alors il pourra vous posséder. C'est surtout avec l'Inquisition au 15e et 16e siècle que le diable prendra l'apparence que l'on connaît le plus, celle d'un satyre, mi-homme, mi-bouc. Pour compléter la peur sur les fidèles, on va utiliser d'autres croyances pour transformer le diable en une créature effrayante, permettant de plus d'asseoir leur domination sur les anciens cultes. Dans les inspirations, nous pouvons citer Cernunnos, divinité celte de la forêt, des animaux, de la fécondité. Et la fécondité, c'est mal! C'est marrant quand même, on doit procréer, Dieu nous a donné le moyen de le faire par le sexe, on donne la vie ainsi, mais sinon c'est sale et c'est pas bien. On retrouve également Pan, divinité de la nature grecque, devenu même un dieu universel pour certains. Mais comme c'est des divinités païennes et qu'en plus elles sont à moitié animales, c'est forcément diabolique. Et ça ne peut apporter le bien! Au fil du temps, on ne chercha plus à ce que le peuple aille vers Dieu par amour, ou même qu'il le craigne, on cherchait dorénavant à ce qu'il craigne le diable le plus possible afin qu'il n'aille pas vers lui. Et ce, à coups de persécution et de bûcher. Le diable était devenu le meilleur ami de l'église, lui permettant de manipuler le peuple et de s'en mettre plein les poches. Heureusement, les croyances ont fini par changer. De plus en plus, le diable n'est plus désigné comme étant une entité spécifique qui viendra directement vous corrompre. C'est devenu une image, un symbole, une idée. Et quand on réfléchit, quand on regarde le Nouveau Testament, c'est plutôt comme ça qu'on en parlait. Tout humain pouvait être assimilé à Satan, même un apôtre, car le diable, Satan, finalement, c'est juste quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de diabolique dans tout ça? Quand tu prends le sexe hors mariage ou le remariage, c'est ridicule de dire que c'est l'œuvre de Satan. Alors qu'à côté, les mariages incestueux, comme on a pu voir dans l'Ancien Testament, tout ça pour garder la pureté de la lignée, les femmes battues, lapidées, traitées comme des poules pondeuses qui n'ont aucun droit, moi, c'est ça que je trouve diabolique. Et un dieu qui nous crée, qui nous demande de le vénérer toute la sainte journée, et qui nous tourmente pour l'éternité si on n'a pas fait ce qu'il voulait, j'appelle pas ça un dieu bienveillant, mais un tyran orgueilleux. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et si j'ai envie de croire en un dieu, ce n'est pas en un dieu punisseur comme celui-là. Bien, je ne pense pas avoir grand-chose de plus à dire, si ce n'est merci d'être resté jusqu'à la fin dans cette longue vidéo. J'espère que vous n'en ressortirez pas avec trop de séquelles, et moi non plus d'ailleurs. Quand je vois la longueur du texte au moment où j'écris ces lignes, je pleure d'avance à l'idée de faire le tournage et le montage, en redoublant d'efforts pour que ce soit digeste, et malheureusement, je pense que c'était quand même très compliqué, et j'en suis désolé. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce serait dommage que vous soyez les seuls à avoir mal à la tête. Ce sera sûrement l'une des dernières vidéos dans ce format. J'ai tout un tas de projets qui arrivent, la chaîne va prendre une nouvelle direction, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Sur ce, abonnez-vous pour suivre une nouvelle aventure sur YouTube si vous êtes curieux. Désabonnez-vous si vous n'étiez juste là que pour la vulgarisation. De toute façon, il n'y a plus de démons à traiter quasiment. Encore merci, et sur ce, je vous dis... à la prochaine.